Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons avec vous sur Télévision Nationale d'Haïti. Nous souhaitons de une très bonne nuit. Nous souhaitons déjà une bonne journée avec TNH. Il y a plusieurs invités matin à la mise au point. Premier invité à recevoir pour vous, c'est Youn Mam, Congrès Renouveau Charismatique. Parce que depuis on dit 24 l'année, ben, nous avons rendez-vous chaque week-end après Pâques, généralement, pour nous vivre Congrès Renouveau Charismatique. Anissa, équipe là au rendez-vous pour Congrès ça. Pour nous garder qui s'accorde comme disposition particulière pour réalisation 24e congrès au nouveau charismatique là, et puis à qui ça ensemble de monde qui a participé ou attendu pour manifestation spirituelle ça. Et après se voir et une responsable congrès Pierre Lamy qui prend ben, toute précision ça va comme pile l'autre encore. Monsieur Lamy, son plaisir pour nous matin sur TNH. Oui, c'est un plaisir pour nous tous et Sergino pour nous là matin pour nous vraiment parler avec le public là de congrès ça, de 24e congrès renouveau charismatique là. Et nous saluons tous les téléspectateurs yo, et nous à la disposition pour répondre à toutes questions que vous avez pour nous. Pour les gens qui pas trop branché, quand ils connaissent côté l'idée ça, chaque année, pour nous rassembler tout le monde ça, pour nous vivre, pour nous faire congrès, côté l'idée ça sorti. Bon, l'idée ça a sorti très certainement dans le comité national au nouveau charismatique là. C'était dans l'année 1991, il a été réalisé le premier congrès. Hein. Et là, ça, sans doute, c'était Sœur Claire qui était venue avec thème. Non? Et c'était la CAE Frère Saint-Louis de Gonzague qui était organisé le premier congrès là, qui était réuni 25 000 monde environ. Et vraiment, c'est un succès. Après succès ça, il prend un temps, il prend 5 années et en 1996, il vient recommencer avec le congrès charismatique. Et depuis 1996 là, pour arriver juste jour et jour, nous n'avons pas jamais campé. Et il faut que nous précisions que c'est peuple là, peuple haïtien, les catholiques en particulier, qui remet au nouveau charismatique là, qui demandait que chaque année il y ait un congrès. Et depuis là, ça, nous ne pouvons pas camper, nous toujours un congrès chaque année. Renouveau charismatique, là, ça veut dire qui ça? Renouveau charismatique, c'est un mouvement, Nabdil, pour les gens qui peut-être pas connaît, parce que de temps en temps, chaque année, nous toujours dit ça, il prend naissance en 1967 aux États-Unis, à l'université du Ken, dans l'État de Pennsylvanie. Et c'était un groupe chrétien, catholique, avec protestants qui étaient réunis ensemble à la prière. Et puis, ils font un week-end à la prière. Et puis, l'Esprit Saint envahit eux, tout comme à la Pentecôte. C'est vrai, événement a une dimension plus petite que la Pentecôte. Et cela se comprend. Parce que la Pentecôte, Jésus t'est fait ressusciter, fait monter. Et puis, il était annoncé la voie de l'Esprit Saint. C'est la première fois que l'événement a produit. L'événement a été fait avec gros fracas, tremblement de terre, et puis gros bruit vent, et puis langue de feu. Alors, à Pittsburgh, pas de tout bagaille ça. Mais il y a un bagaille quand même que nous jouons dans l'Acte des Apôtres, dans le chapitre 2, que nous jouons dans Pittsburgh. C'est que Mounio, il a transformé, il a été rempli de l'Esprit Saint. Et puis, ils sont tombés parler, chanter en langue. Et puis, faire louange pour bon Dieu. Mais à partir de quel moment le nouveau charismatique est rentré en Haïti? Il est rentré en Haïti en 1973, au Caye, au Cap et Port-au-Prince en même temps. Quoique, pas de aucune planification pour ça. Ou du moins, nous sommes capables de dire que c'est l'Esprit Saint qui était planifié. Parce que c'est 3 personnes qui étaient sortis au Canada, qui ont fait expérience au Canada, sans aucune entente entre eux. Une était au Cap, une était Port-au-Prince, l'autre était au Caye. Et puis, ils ont lancé Renouveau. C'est après qu'ils ont financé dans 3 villes là. Et puis, ils ont rendu compte que l'autre là a fait la même activité. Et tous les 3 ont commencé ensemble, sans qu'ils ne connaissent pas. Qui est-ce qu'ils sont membres du Renouveau Charismatique? Qui est-ce qu'ils sont membres? Ou membre nouveau, ou suivre un séminaire de la vie dans l'esprit. Parce que faut que ou connaît comment ça fonctionne. Nous connaissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu trinitaire, un seul Dieu en 3 personnes, le Père qui a tout créé, le Fils qui lui-même vient sur terre, vient sauver nous. Et qui j'en sauver nous, c'est que lui vient nous l'Esprit Saint. C'est ça que fait l'Elta Pralé.
il dit que eh bien là voyait l'Esprit Saint et effectivement il voyait pour la Pentecôte et depuis là ça c'est l'Esprit Saint qui dans l'église là qui agit dans l'église là. Alors faut que nous recevoir formation pour connaître comment l'Esprit Saint agit dans où, comment on capable recevoir l'Esprit Saint, qui attitude, qui comportement que vous devez gagner. Si vous n'êtes pas formé, l'Esprit Saint a le droit à parler avec vous. Et puis, vous ne connaissez pas si c'est l'Esprit Saint qui a parlé avec vous. La parler dans le cœur et vous ne connaissez pas si c'est lui-même. Si vous ne recevez pas formation pour ça, c'est ça que fait pour vous devenir membre nouveau charismatique. Il faut que vous suivez un séminaire de la vie dans l'Esprit. Est-ce que chaque église catholique gagne un nouveau charismatique là-même? Gagne un peu. Pile paroisse qui gagne, mais c'est pas nécessairement toute paroisse. Nous avons dit que tous 10 diocèses pays d'Haïti a gagné un nouveau charismatique là, parce que ils reconnaissent bien faire un nouveau charismatique là pour l'église là, mais c'est pas toute paroisse qui gagne déjà, qui paroisse qui peut gagner. Ça passe, vous parlez ou bien mouvement pour arriver sur vous? Les pas qu'on arrive sur vous, ou bien encore peut-être que. Pour être qui responsable paroisse là, les gens doivent pas tellement sensibiliser, les capables pas de faire expérience, parce que yon bagay qui paraît dans l'église là, que yon moun pas de connaît, li pas de former là-dedans, les gens doivent pas vraiment intéressé à aller. Et on a remarqué par exemple, il y a des prêtres actuellement qui leur petit moun parents yo te connaît aller avec un rassemblement charismatique. L'inévitable, un père comme ça, pour pas charismatique ou mais côté que lié, pour pas chercher à attirer le nouveau charismatique. Parce que l'été déjà qu'on connaissance de mouvement. Mais si un père pas formé là-dedans, il est très difficile pour l'accueillir. À moins que, bon Dieu fait, font expérience avec elle, t'as quoi, père éminent tardif. Nous toujours citer non, parce que son gros charismatique, son prêtre canadien que lié. Et là que l'été t'a grandi, il pas de connaître nouveau charismatique. Pendant que lui en mission en Dominicanie, en République Dominicaine, et puis lui vient faire une maladie, mon croyant tuberculose qu'elle fait, et puis lui malade très grave, là il allait pour prendre pour retourner dans pays la veille, comme tu gagne un nouveau charismatique dans pays Saint-Domingue, et puis il y a des charismatiques qui offrent lui pour la prière pour lui. Alors, Père Ali, même pour qu'on ne parle, il dit, bon, juste par charité, juste pour les pâtes humilier Mounio, pour ne pas décevoir. Pour ne pas décevoir. Et puis, il dit, oui, mais dans quel, il prend ça comme une plaisanterie. Et puis, effectivement, Mounio allait, il a la prière pour lui, il a fait imposition des mains, il a tendu les mains sous lui, il a posé les mains sous lui, il a la prière pour lui. Bon Dieu, bal message, et monsieur guéri de tuberculose là. Ah bon? Il guérit et depuis là, ça, il vient tourner un missionnaire à travers le monde. Non seulement il guérit, il vient rempli de l'Esprit Saint. Et puis, il vient dans le congrès nous ici. Il vient deux ou trois fois dans le congrès nous, dans Saint-Louis de Gonzague, fait ministère de libération, ministère de guérison, pour nous lever, camper, marcher. Mais ici, et pourtant, fois... il n'y a pas de quoi au départ dans le renouveau charismatique. Mais ici, chaque fois, il parle de renouveau charismatique, qui est sur clair. Pour qui ça? Bon, Sœur Claire, son figure emblématique de renouveau charismatique. Parce que c'est lui-même, il y a une trois mondes qui ont fondé le renouveau charismatique ici en Haïti. Mais à l'époque, il était au CAI. Donc, c'est lui qui a lancé au CAI. Après sa communauté, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis, et fait l'entrée Port-au-Prince. Et puis, Port-au-Prince devient automatiquement responsable de Port-au-Prince. Il y a un monde qui était à la base. Et depuis le SA, pour y vivre juste jour et jour, c'est lui-même qui est en tête de nouveau charismatique là au niveau national. Parce que là, je suis à Carrefour, la paroisse Saint-Charles. Carrefour, Saint-Charles Borromée. Chaque samedi, oui. Les réunions et charismatiques, oui. Sœur Claire est toujours présent. Oui. Généralement. Oui, exactement, c'est ça que fait. C'était un plus gros groupe de prières charismatiques que nous gagnons. Carrefour. Et ceci jusqu'à présent. Ah, toujours travaille chaque samedi? Oui, toujours travaille chaque samedi. Mais nous gagnons un pile groupe. Nous gagnons. Actuellement, nous avons 60 de groupes dans Port-au-Prince. Qui réunit chaque samedi tout? Ils réunissent samedi. À un certain moment donné, il y a un règlement qui te dit c'est le mardi avec le samedi pour y réunir. Mm-hmm. Mais avec le temps, vous avez un groupe de prière qui fonctionnait pendant tous 7 jours dans la semaine. Ça veut dire même le dimanche, il y a un groupe de prière, par exemple. Pas loin télévision nationale là, la KFR Saint-Louis de Gonzague, un groupe de prière qui est au vivre,
qui fonctionnait le dimanche. Est-ce que vous tout mouvement ça comme genre mouvement eucharistique des jeunes mergiers dans l'église là? Oui, c'est un mouvement dans l'église là, tant que l'autre mouvement, mais il faut nous porter une petite précision. Nous relèvons plutôt un courant de grâce. Et c'est mot ça même que Pape François a prononcé. Pape François dit son courant de grâce. Et avant Pape François, il y a Pape Jean-Paul II qui a utilisé la même expression. Ça. C'est un courant de grâce. Ça veut dire qui ça, courant de grâce? Courant de grâce, ça veut dire li pas propre à une catégorie de monde, mais c'est pour tout le monde li là. C'est pour tout le monde li là, dans le sens que l'Esprit Saint à la Pentecôte, il est venu pour tout le monde. Il était venu pour tout le monde et puisque il était venu pour tout le monde, nous recevons le baptême, nous baptiser. Donc tout le monde qui baptisait, tout recevoir l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint qu'on recevait dans le baptême, il appelait pour le développer dans nous-mêmes. Donc nous avons une association des fidèles charismatiques, mais ce n'est pas les fidèles charismatiques seulement qui sont charismatiques, c'est tout chrétien baptisé, c'est charismatique. Parce que charismatique veut dire charisme et charisme veut dire cadeau, l'Esprit Saint, barou. Et cadeau ça qui s'accueille son capacité un peu spéciale libao soit pour parler en langue soit pour chanter en langue soit pour bailler des messages des paroles de science soit pour bailler des paroles de prophétie et ainsi de suite. On nous dit pourquoi café bagarre ça pourquoi le mouvement charismatique là c'est bien comprendre. Non pas nécessairement hein, pas nécessairement le non mouvement charismatique là mais bon Dieu qui doit pas mal tel type de charisme et puis il bal tel l'autre type de charisme. Est-ce que nous capables de parler de dimension que le parcours atteint? Oui, peut-être dans un sens nous capables de dire ça, mais c'est dans le sens que Jésus dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, c'est-à-dire que en matière de sainteté nous pas jamais fin arriver vrai, nous toujours gain des dimensions pour nous atteindre, pour nous aller le plus loin possible. Car et soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait, c'est bon bagage qui est facile. Mm-hmm. C'est dans ce sens ça seulement nous capables de dire que y a une dimension, y a un droit parcours à atteindre. Parce que ou pas jamais fin atteindre la perfection, ou viser la perfection, mais ou pas jamais arriver facilement vrai atteindre perfection. Oui, parce que c'est quand même un idéal. Ah, oui, on tend généralement vers l'idéal. Un idéal, exactement. Mm-hmm. On allait pour le 24e congrès, M. Lamy. Oui, vous pouvez voir ça. Pour 24e congrès, alors faut nous rappeler, faut nous dire que thème là c'est debout, resplendis car voici ta lumière. Son parole que nous prenons dans Isaïe au chapitre 60 verset 1. Faut que nous dit que et parole yo pour congrès yo c'est toujours parole qui sortit dans l'Esprit Saint. Comme moi te dit tout à l'heure, moi dire que normalement faut apprendre faire expérience avec l'Esprit Saint, quitter le parler dans ou quitter le parler avec à force ou prier, à force ou reler, à force ou communiquer avec lui, lui communiquer avec tout. Donc alors parole ça, donc c'est une parole en plus, son parole d'espérance. Nous capable dire que Anessa n'a mettait accent plus sur question espérance. Espérance, qui ça qui espérance dans nous? Gon bagay que n'attend, qui ça que n'attend, c'est que bon Dieu nous il fait nous des promesses. Il fait nous en pile promesses, c'est pas promesses seulement sur le plan spirituel, mais promesses pour pays nous, pour pays d'Haïti. Donc le dans congrès pour terme nous dit debout, qui ça debout, c'est Haïti. Haïti levé campé, Haïti debout. Parce que bon Dieu là, la foi promesse depuis longtemps, il dit l'a fait pour et à travers la bouche des prophètes dans le renouveau charismatique, bon Dieu nous a annoncé des temps nouveaux pour Haïti, temps nouveaux sur le plan spirituel, mais temps nouveaux tout sur le plan matériel, sur le plan économique, et que Haïti gagne pour le changer et le a plus prérivé que le plus loin. Au fur et à mesure que l'année a avancé, n'a pas avancé plus vers cet objectif. Donc, et debout. Car voici ta lumière. Ça veut dire que mes lumières arrivent sous, lumière venir, lumière finir arriver sous. Donc alors, là nous faisons congrès. Congrès c'est pour encourager peuple là, monde qui gagne la foi, monde qui croit dans bon Dieu, que mes des paroles que bon Dieu ben nous et que paroles ça eux pour réaliser, y a pour réaliser quand même. Et que à travers congrès, donc à travers des enseignements appropriés, adaptés. Eh bien, nous apprenons à entretenir la foi, mon Dieu, quoi dans la parole, ça, toujours penser à promesse ça, que bon Dieu fait nous. Il y a quelqu'un pour réaliser, il faut que nous prions pour ça, il faut que nous prions pour réaliser, il faut que nous prions pour payer nos changer, il faut que nous prions pour ça, que bon Dieu
promettre nous pour être capable de réaliser dans la vie nous. Et si nous t'a regardé dans Isaïe 60 là, nous lit verset 1, mais soit aller tout chapitre 60 là, ou après des paroles très fort. Et paroles ça d'ailleurs, il va parler dans le congrès année ça qui montre que Haïti ça son Haïti qui pral changer, qui gain pour changer et depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans. Paroisse va annoncer à travers le renouveau charismatique. Mm-hmm. Et c'est pas seulement dans l'église catholique, dans l'autre l'église tout. Même si nous avons dit le temps de paroisse en pile, mais résultat n'est pas arrivé. Résultat n'est pas arrivé. Alors nous-mêmes et l'homme, si nous impatients, nous impatients et nous toujours douter, nous pas jamais croire ou bien encore YouTube à la jodia et vous voulez le réaliser demain. Mm-hmm. Ou bien encore, on regarde les événements, on regarde ce qui a passé et puis on regarde ce qui a passé, c'est comme si ou vous voulez dire, mais pas quoi ça va dire, est-ce que c'est vrai? Bah, bon, depuis là, tu as dit, bah, ça, yo, bon, bah, ça, pas jamais fait, yo, pas jamais réalisé. Moun yo, gen tendance comme ça, tendance douter. Bon, c'est naturel, là, qu'est l'homme, à cause de faiblesse, nous, mais c'est ça qui fait tout, que nous avons entretenu, c'est comme si nous avons son escalier que nous avons monté. Chaque année, nous prenons une marche. À travers chaque congrès, son marche nous prend, mais vers la réalisation de objectif ça, c'est-à-dire, bon Dieu fait nous des promesses pour payer nous et que promesses ça. Au monde qui habite dans le congrès, qui ça la vivre dans ça de particulier, Pierre Lamy? C'est d'abord que trois jours congrès, on a rappelé, c'est vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril. Ça nous est capable d'annoncer mon yo, c'est que pendant trois jours ça y a eu à faire de 10 enseignements. 10 enseignements ça y a eu, c'est pour enrichir la foi yo. Et puis tout entre enseignements yo a eu des temps de louange, des temps d'adoration, des temps côté que mon yo capable d'étendre yo, danser tant que David, le roi David et l'ancêtre du Christ, il était dansé. Donc danser pour bon Dieu, danser, dire bon Dieu merci déjà parce que promesse qu'elle fait nous yo, promesse ça a bien pour yo réaliser dans la vie nous. Ça nous ta capable dire c'est que livret à l'entrée congrès a jeune livret à acheter et livret à c'est 100 gourdes, yo pas besoin ni avant. Donc c'est dans entrée congrès que y a besoin ni à partir de vendredi et puis nous gagne maillot qui est disponible, maillot pour congrès c'est à 250 gourdes et maillot ça yo capable voler dans 37 47 99 05, 37 47 99 05, pour connaître qui bon que capable joindre maillot parce que maillot avant alors que livret yo c'est même je congrès que a commencé vendre. Alors peut-être que nous capable dit tout qu'on a tendance la caille moun yo pour vienne vendre une série de bagages dans congrès. Bon, année ça gagne des mesures qui prend pour yon monde entrer avec des articles vienne vendre dans congrès. Il faut qu'on ait un badge qui autorise l'entrée avec son vin-vente. Et puis, ce n'est pas n'importe quoi qu'on est capable de vin-vente. C'est seulement des articles religieux, tant qu'on CD, images, chapelets, livret de prière, livret de chant, médailles, livret de piété. Type de bagaille ça y est, que livre de piété. Donc, c'est type de bagaille ça y est, que nous sommes capables d'accepter. Mais cette histoire, il y a un vin-vente, soit un rade dans le congrès charismatique, ou bien un vin-vente soulier, ou bien produit cosmétique, non. Et nous ne pouvons pas accepter que nous. Et manger, par exemple, il y a un vin-vente manger. Oui, moun ka vann manje andan, yo gen autorisation pou sa tou, yo organize des restaurants andan avec autorisation renouveau. Donc moun ka pa. T'ap commencé à quelle heure? L'ap fini à quelle heure? L'ap commencé vendredi à 1h et l'ap fini dimanche à 2h. Donc c'est pendant 3 jours. Parfait. Maintenant, gros frais de participation, parfois qu'on exige pour nous garder. Bon, année ça c'est seulement livré, il y a gagné pour y acheter pour 100 gouttes. 100 gouttes. Maintenant, et nous toujours qu'un même espace, c'est Tabala. Oui, exactement. Bon, c'est toujours là que nous avons, parce que l'espace Tabala, c'est lui-même qui espace pas nous. Mm-hmm. C'est lui qui espace pas nous. Donc, on remarque qu'il y a des dispositions qu'on prend en paroisse pour que y ait des bus qui mettait à disposition chrétiens catholiques, les gens qui souhaitaient aller au congrès. Yo. Est-ce que vous nous voyez qu'on a un regard sur les mesures ça? Non, nous pas contrôler ça. Mais toujours il y a un service d'ordre, service de sécurité, toujours en accord avec la police, toujours en accord avec la mairie.
nous prenons toute disposition pour des policiers, pour des agents de la mairie, et puis au niveau du renouveau charismatique, au niveau de l'église, il y a des groupes tout qui viennent aider nous, mais les groupes sont plus assurés de sécurité à l'intérieur, alors que la police avec les agents de la mairie, ils ont plus assuré la sécurité dehors. Parce que là, nous connaissons chaque fois qu'il y a un congrès, un pile d'embouteillage sous tabac là, dans la zone côté locale non hier. Oui, bon, depuis qu'il y a un événement comme ça, il y a toujours bien ça, mais la police là, pour assurer l'ordre, assurer la circulation normalement, même si il y a un embouteillage. Bon, embouteillage là, c'est presque un phénomène généralisé, n'importe quoi. Comment vous attendez ça? Bon, nous toujours gagnons des dizaines de milliers, nous pas capable de faire aucun chiffre, mais nous toujours gagnons des dizaines de milliers, mais nous gagnons l'impression que Anissa a gagné beaucoup plus de monde. Pour qui ça, parce pas contre pour qui ça, mais nous sentons que province, l'autre diocèse est très mobilisé, notamment des monde qui a sorti au CAI, par exemple, mon cap sorti Jérémy, qui a demandé de faire réservation de place pour eux. Nous sentons que y a un pile monde qui a sorti dans notre diocèse. Par exemple, nous disons que nous avons ouvert à 1h, uh-huh. Vendredi. Alors, généralement, chaque jour, qui nous va être pour nous faire? Et normalement, c'est à 6h, mais sauf samedi, nous sommes capables de finir plus tard. Parce que samedi, j'ai l'impression que c'est à la brune du soir que nous avons fini. Parce que nous samedi après-midi, il est toujours spécial. Uh-huh. En dehors du ministère de libération de guérison que nous avons, mais après ça, les journées après le fini, nous avons eu les soirées de Pentecôte. Et depuis l'année passée, il y a un bagage que nous venons ajouter sur la soirée de Pentecôte. Là, c'est une procession avec la statue de la Vierge Marie à travers tout espace. Là. Nous avons une grotte en dedans qui gagne Notre-Dame de l'Aude là-dedans. Et puis nous avons tout Anéa, c'est avec la statue de Notre-Dame des Victoires que nous allons faire procession ça. Donc une procession qui pourra le faire, procession au flambeau, procession à la bougie, de manière pour soulever, attiser plus ferveur peuple haïtien hein, dans la prière. Qu'est-ce que ça nous fait tout comme mesure pour que l'espace soit un espace de détente, mais tout effectivement son espace de dévotion, son espace côté monde effectivement vienne raffermir foi et vienne prier tout bon. Nous toujours fait travailler ça chaque année. Et non seulement s'il faut que nous fassions intervention pendant le congrès à nos micros, nous faisons, mais nous faisons travailler ça tout dans la radio, particulièrement dans la Radio Soleil. Et nous profitons de questions que nous posons pour nous demander, nous, effectivement, comme nous faisons chaque année, pour essayer pendant les enseignements et surtout pendant les messes, pour ne pas promener, monter, descendre sur ce souterrain. Ce n'est pas normal, ça pose problème. Et machin, Anessa, ils ont décidé de limiter une zone pour eux, pour rester et non pas pour promener sur l'espace là, parce que dans promener il y a dérangé monde. Et puis tout nous demander parents yo pour pas venir avec ti monde qui gagne moins que 10 ans. Ti monde qui gagne moins que 10 ans yo, yo pas capable assumer aucune responsabilité, yo plus déranger l'autre monde et parfois gagne monde qui vient avec 3-4 ti monde. Là vous venez avec 3-4 timoun nan, timoun sa yo pa gen contrôle yo, timoun yo a monté descend, y a crié, y a fait besoin yo n'importe qui côté. Donc nous prier tout parents pour éviter ça parce que yon congrès charismatique c'est pas un bagage en principe qui fait pour timoun. Pour la messe oui, donc l'église encourage moun mené timoun yo l'église. À l'église avec timoun yo, montrer timoun yo la prière. Jésus dit dans l'évangile là, laissez venir à moi les petits enfants. Donc faut nous éduquer timoun yo à la foi. Mais nous croyons que yon congrès charismatique c'est pas un côté idéal pour mener timoun parce que timoun a vina la fait toute une journée et on connaît généralement même si timoun remet sorti, mais ou pas remet dehors pour longtemps. C'est clair. Qui était au monde pour vivre congrès Anissa? Qui intérêt que rien intérêt pour nourrir la foi, pour continuer à nourrir espérance li, pour croire que bon Dieu nous dans promesse li, li pas fait bac et ça le dit la réaliser la faire. Vendredi 6, samedi 7 dimanche 8 avril, c'est dans le local AFCH. Oui, nous le centre de prière de Tabar. Mais c'est centre de prière de l'AFCH, Association des fidèles charismatiques d'Haïti. Parfait. Et là, vendredi, on a planché à 1h de l'après-midi. À 1h de l'après-midi. Et Anessa, qui est-ce qu'il y a une figure marquante dans l'église là? Une figure marquante, il y a un pasteur, un ancien pasteur américain,
qui a un témoignage très fort, étant donné que nous avons un renouveau charismatique qui a vu le témoignage ça, elle a baillé. Mais je demandé est-ce qu'elle est rentrée en Haïti? Monsieur était d'accord, monsieur dit la venir. Je ne dis à monsieur son fervent catholique et c'était un pasteur. Un pasteur protestant que monsieur Teye. Donc monsieur finit par découvrir que réalité a toute bon vrai réalité et bon Dieu a l'église que Jésus-Christ a fondée c'est l'église catholique. C'est pas ça qui va le bail qui va le bail témoignage. Bon, bien entendu nous connaissons grand pile pasteur qui comme ça oui, mais parce qu'il n'y a pas qu'à caser tête lui. Il va caser tête lui, il va caser l'église lui. Attends, monsieur, je suis là pour parler de ça. Oui, là pour parler de ça. La vine et puis, tout le ministère là, surtout le ministère guérison, on est un peu là, il s'est mal. Oui, non, samedi, il y a un ministère, probablement en zone 2h, entre 2h et 3h. Ah ben, Pierre Lamy, je vous souhaite succès et pour le 24e congrès à Captain et vendredi, et vendredi après-midi 1h. Et puis longue vie au nouveau charismatique là et le pays a message là c'est qui s'allie on va quoi que nous devons insister sur lui avant nous quitter aller matin un message là d'abord c'est thème non c'est debout resplendit car voici ta lumière donc nous demandons tout peuple haïtien tout le monde qui est capable venir dans le congrès à ça qui pas capable suivre lui à la télévision à la radio parce que abgen radio abgen télévision cap baili en direct. Si nous pas capable faire déplacement, pas de problème, il suffit que nous branchions sur nos médias et puis affermir espérance nous, continuer à croire que bon Dieu nous l'a changé ça pour nous dans le pays d'Haïti, ni sur plan matériel, ni sur plan spirituel. Ça a venu. Et aussi, pas bien comme pour nous payer, sinon que livret pour acheter. Livret pour acheter. Ça livret pour quarantaine dans l'espace. Bon, moi-même, c'est ça que j'ai pour m'annoncer. Que faut que j'ai livré pour venir dans le congrès. Enfin. Alors, me dit tout simplement, ça me gagne pour me dire. Et puis, l'état bon tout. Pour mon handicap, par exemple, quand je viens dans le congrès. Pour mon handicap, yo, yo a préservé un espace pour yo. Et puis, yo conseille, yo m'dablier dit ça. Merci pour la question posée maintenant. C'est plus dans la deuxième barrière là pour yo entrer. Gen premier grande barrière là bon tellement gen moun k ap entrer là en foule donc li préférable que yo prend deuxième barrière là c'est-à-dire yo passe devant premier grand barrière là gon deuxième petit barrière côté machine yo entrer là donc li ta préférable pour yo même pour sécurité yo pour yo passer dans petit barrière ça côté que pas gen aucun foule moun parce que piéton yo normalement yo pas entrer dans petit barrière là mais si c'est moun handicapé y a quitter yo passer donc li préférable que yo prend là. Et puis là, il y a un dirigé dans la position qui est réservée pour handicapés. Et qui sont même connus au cas de guéri? Ah oui, bien sûr, ça a connivé. Parfait. Merci infiniment, Pierre Lamy. Bon travail. Merci bon à vous aussi. Merci à la télévision nationale. Et merci à vous aussi, téléspectateurs qui me suivaient, je crois, religieusement. Voilà, Pierre Lamy, congrès au nouveau charismatique. C'est avec l'unité démarrée, mise au point jeudi à week-end. C'est prêt le 24e congrès. Il a fait. Mise au point ça sous ensemble de mesures qui prend pour bon déroulement activité spirituelle ça qui a déroulé et on fait encore tabac dans centre FCH là et il a démarré vendredi à 1h et il a mis en route dimanche à 2h après dernier messe là. Restez avec nous Hector Sylvain la propose et puis on retourne avec notre invité au matin. Merci parce qu'avec nous, sous télévision nationale d'Haïti, on a avancé avec l'édition mise au point ça. Alors là, nous prenons parler santé, nous prenons parler autisme, puisque gagné et journée mondiale de l'autisme qui est célébrée chaque 2 avril. Et là, on précisait, première journée mondiale autisme, c'était le 2 avril 2008. C'est une bonne occasion pour faire sensibilisation, puisque on sent un petit monde qui gagne un problème ça. L'engagement qui s'autisme naie, qui vient manifester et qui l'aime qu'à parler de autisme, qui côté là ça sorti, comment traitement y est, ou même parents peut-être bien des timoun qui y a un problème ça y est, qui vient nous capable de porter solution, ça qui capable des timoun y bien grandi. Là, nous avons un spécialiste et un parent qui est prêt à l'expliquer nous, qui vient réalité pas petite palter après avant
et après et traitement et l'académie sur ça. Docteur Pascal Néry Jean-Charles, qui a dirigé la petite chenille, qui travaille en pile sur ça avec nous, et puis Mylène Dalache, Muriel Dalache Hippolyte, yon parent qui parle et, avec nous pour nous parler de tout ça. Docteur Pascal, c'est un plaisir. Bonjour, tes spectateurs, je suis content là, dans la plateforme de la matin. Parfait, Madame Hippolyte. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tes spectateurs et merci pour l'opportunité. Parfait. Autisme, pensez que ça allait, docteur Pascal. Bon, autisme, nous sommes capables de définir comme un trouble développement. Dans le même groupe de développement, son trouble, côté que c'est évolution de Simon, dans chaque tranche d'âge, donc il y a des acquisitions que Simon a de fait. Des acquisitions en termes de langage, des acquisitions en termes d'échange avec l'autre Simon, des acquisitions en termes de psychomoteur, ça y est, développement motricité, moyen bagage, marché, etc. Donc, tout neurodéveloppemental, non, sont tout côté que développement de Simon, il est supposé développer, hein, il ne peut pas le développer comme ça. Donc, par exemple, certaines retards, ou même le tableau, il a commencé à développer et selon un rythme, ils vont côté qu'il va faire une régression. Donc, il y a, normalement, pas mon terme, en, comme pas mon définition exacte, donc, on a dit c'est un ensemble de caractéristiques. Donc, c'est peut-être ça de nos jours, on parle de tout du spectre de l'autisme et on va rejoindre des caractéristiques concours au niveau de la communication, j'aime pas dire là. Donc, au niveau de la communication, il y a une communication verbale qui vient pour avec parler et une communication non verbale qui vient pour avec gestes ou bien avec tout l'autre bagaille que l'on est capable de pour communiquer. Donc, si on a un problème, il a une difficulté au niveau de communication, c'est-à-dire qu'il est capable, le langage verbal, il est capable de développer en hauteur, ou bien capable de commencer à développer et puis de régression, ou bien tout, il est capable des problèmes au niveau d'articulation, il est capable de tout, pas des difficultés pour comprendre des signes, pour faire des gestes, pour signaler, pour dire bon, etc. Donc, tout geste, il est capable des difficultés pour comprendre. Ensuite, il y a une difficulté tout au niveau d'interaction sociale, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un contact visuel avec le monde, pour garder dans les yeux, pour comprendre certaines émotions, etc. Donc, il y a une difficulté au niveau d'interaction. C'est-à-dire que une j'ai toujours associé autisme, vu qu'on dit autisme, il signifie isolement. C'est-à-dire qu'il y a un replié sur lui-même, qu'il n'a pas vraiment entré en contact avec l'autre monde, avec l'environnement. Mais que l'entrée en contact, des fois, mais j'ai entré en contact là, l'autre ne doit pas vraiment comprendre un contact qu'il a cherché parce qu'il est capable de pousser, il est capable de regarder un bagage. Donc il est entré en contact, mais un contact il est incapable, l'autre ne doit pas vraiment comprendre. Et puis le troisième aspect, c'est des comportements ou bien des jeux stéréotypés qui viennent pour avec eux. Il est capable de faire des mouvements avec quoi, qu'on peut balancer comme ça, des mouvements même, ceux qui mènent comme ça. Et puis il est capable de faire des jouets, tout le faire de manière répétée, c'est-à-dire qu'il prend machine, supermachine, machine, il aligne. Ou bien il est capable de prendre un jouet, il est souqué comme ça. C'est-à-dire que le gars n'a pas utilisé. Une certaine monotonie. Une certaine monotonie. C'est-à-dire que depuis qu'il paraît dans la salle, là, c'est-à-dire qu'il paraît dans tes genoux, là, ou bien tu connais ça, il va le faire. S'il prend un téléphone, non, on connaît ça, il va le faire. Donc il est très monotone. Donc le jouet est très monotone, le mouvement est très répété tout. Mais il faut me dire, mouvement, ça, c'est pour être capable de gérer le stress, parce que il n'y a pas trop tolérer le changement. Donc là, on a une situation que vous n'avez pas un contrôle ou bien les gens n'avez pas un contrôle, ça capable de générer un stress là caillou. Donc vous pouvez faire ça pour capable de contrôler. Et ça peut mener en troisième, en quatrième caractéristique qui c'est sensibilité, c'est-à-dire que vous êtes capable de très sensible à bruit, les autres d'un bruit ça a vraiment altéré ou bien vous avez besoin de bruit fort pour capable vraiment prendre plaisir ou bien vous capable pas envie de me toucher. Yo par vous prendre il en bras ou yo par yo lumière ça garder la capable yo obligé boucher j'ai ça. Donc ça sont des caractéristiques que Tim n'a pas gagné, c'est depuis la j'ai cerveau à construire depuis la j'ai connexion va le faire dans cerveau. Donc ils ont gens que par interpréter environnement, ils ont gens par analyser information que par gens dans environnement qui par fait que lui-même il par fonctionner de manière différente. Donc nous parlons de tout, c'est pas une maladie, c'est une condition neurologique, c'est que c'est un cerveau Tim n'a construit de manière qui fait que l'information environnement, l'interpréter, l'y comprendre, l'y longe. Est-ce que si vous n'êtes pas agressif tout l'heure comme ça? Oui. Donc, dans certains cas, j'aime dire que là, justement, si par exemple, il y a un changement, c'est-à-dire que, supposons que l'habitude vient dans tel machin là, donc c'est Delma par un habitude fait avec lui, descend Delma à droite, et puis par un changer route. Donc, ça, c'est une situation qui va faire que l'entrée est bien stressée. Et ça, ça va faire que l'entrée est agressif. Ou bien, si vous jouez dans la main là, si vous jouez dans la jouer, ou prendre, il est capable de blaguer. Femme du tout, tout petit monde, que tout le monde est neurotypique ou bien neurotypique, il est capable toujours agressif. Il est capable toujours faire des crises. Mais ça, par exemple, on dit des fois que vous sentez
yo incapable pour gérer ça, yo pas comme ça pour faire ça, yo sentez yo être là et agir, yo sentez yo dépassé par vraiment comment pour contrôler, et puis il fait de manière et répéter ça, et plusieurs fois il fait des crises que parents viennent pas comme gens pour gérer ça. Qui ça provoqué tout ça, docteur Pascal? Donc yo pas qu'à dire on bat exactement, parce que jusqu'à présent c'est plusieurs hypothèses qui gagnent, il y a plusieurs idées sur ça capable provoquer. L'aspect génétique là, yo parlé en pile. Même dit gentil ça que le regarder non femme côté té gon tim qui l'aspect autiste là grand plus chance pour gon l'autre, et puis tout par exemple les vrais jumeaux si mon qui vrai jumeau grand plus chance pour non vrai jumeau pour tous les deux. Même dit vrai jumeau c'est jumeau c'est ça partager même zeb t'es capable dit d'accord, donc grand plus chance pour gagner, et puis tout et même parler de famille, elle pas obligé de famille immédiate capable depuis de trois générations, donc capable c'est pas même les monde pas gagner pas dans spectre autisme, mais tu as dans famille tu as bien retard de langage, tu as un problème déficit d'attention, c'est quoi ouais quand même dans gens cerveau monde dans famille qu'on construit, donc qu'on gagne des difficultés ou des difficultés d'adaptation que nous avons présenté. Mais il y a des causes tout environnementales comme alcool, drogue qui capable altérer tout une construction cerveau hein, qui va faire que construction cerveau en fait de manière différente. Donc pas l'alcool, donc là par un moment là, maman pendant grossesse là si l'ingérer des substances toxiques, parce que alcool l'a traversé, on est enfin enceinte depuis le boire alcool, l'alcool là si on n'a pas hors danger de l'alcool, parce que l'alcool là entré la jeune si on a et là si on a construit, donc il est capable d'affecter développement si on a, est capable et toucher certaines zones dans le cerveau qui vient faire que gagne certaines compétences, certaines habilités que tu n'as pas à gagner, mais est capable de prendre plus temps pour gagner. Et puis nous avons tout d'autres facteurs qui lient l'accouchement, et si on a plus la complication l'accouchement côté si on a connu il pas gagne un jeune oxygène et à temps. Donc tout ça, tout c'est des bails qui sont capables de provoquer des changements dans des changements dans le cerveau qui ont fait que les conditions en fait de manière différente. Mais il y a leur hypothèse sur le vaccin, etc. Donc sans somme d'hypothèses, pas une cause exacte, c'est des hypothèses génétiques, vaccin, environnement et complications, grossesse, etc. Est-ce que tout petit monde peut-être en grossesse qui pas désiré, ça t'a gagné un impact tout, qui t'a fait développer troubles de comportement ça? Non, normalement et grossesse pas désiré pas rien pour eux là-dedans. Et parce que au début justement ils étaient comme accusé maman, ils étaient comme dit c'est maman mal éduqué ti moun là, et parce que au début pour vraiment comprendre que son problème neurologique, c'est-à-dire avant tout son condition neurologique, c'est-à-dire que maman la éducation, c'est-à-dire dans salle pour faire l'enjeu pour agir ti moun pas rien pour avec j'en pas agir, c'est cerveau ti moun qui gagne des en construction qui fait en gens et qui fait que le pral comprend l'information de certaines façons. C'est que si tu n'as pas désiré, non, il pas pral bail et tu n'as pas trouvé l'aspect autiste. C'est plus en construction dans le cerveau en même. Donc éducation, environnement, c'est-à-dire même éducation parentale là et parents pour la donne, désir ou pas parent. À partir de qui là parent capable faire constat que ti moun a un problème et qu'il est lié à autisme là. On capable dire à partir de normalement de jour en jour il a fait recherche, il est capable d'identifier que tu n'as gain probabilité, on dit bien probabilité, même probabilité c'est pas un bail qui 100% sûr, mais il y a une série de caractéristiques pour capable être bien bonheur. Une caractéristique qui est capable être plus bonheur c'est contact visuel, c'est lorsque tu joue avec lui ou bien on jette là au fond bruit, c'est même ton chacham soukel ou est il va vraiment réagir avec vous, c'est l'autre joue avec lui, on le voit sous, on le voit où elle distrait loin, donc je sais ça dans ses premières caractéristiques. Et ensuite l'œil commence à plus grand, donc on capable elle commencer à parler, et puis subitement ou elle a des mots de qu'on dit maman papa, et pour elle vivre gain 18 mois par exemple, et pour elle il parle dit mot ça encore. Ou bien ou est que tu dans tout développé langage là dit pas répéter papa mais de manière robotisée, même de manière robotisée hein, il va vraiment dit pas parler ouais papa, ou bien pas vraiment engager communiquer comme si on échange avec l'autre monde, il puisse répéter mot ou des mots ou répéter papa ou quand elle était comme ça répéter mot, même le pas gain yon raison pour le tap 10 mois ou elle a répété mot comme si pour contenir. Donc tout ça c'est des caractéristiques. Mais maintenant et à partir du moment ça yo faut un professionnel, des spécialistes qui capable de dire est-ce que tu m'as trouvé dans spect là, parce que plus bonheur que parents au courant de plus bon pour tu m'as, parce que tu m'as capable
tout de suite entrer dans des services de prise en charge thérapeutique. Moi, si vous pensez à l'Ibral, il y a des difficultés pour apprendre l'école, pour aller à l'école. Oui, il y a des difficultés pour apprendre l'école. Et les difficultés dépendent de lui-même, dépendent de l'école. Là. Okay. Même de l'école, là, parce que l'école, là, les gens qui sont dans l'école, s'ils ne sont pas formés pour ça, ils ne sont pas connus. Il n'y a pas qu'à comprendre, je l'apprends, et il n'y a pas qu'à adapter l'apprentissage pour être capable d'apprendre. Parce que c'est pas le monde qui peut adapter à l'école. Là. C'est l'école là qui peut adapter la différence là pour que la matière que je vais enseigner, pour être capable de faire de manière que le monde est capable d'analyser le procédé d'information. Donc très souvent, c'est une raison qui fait que l'être humain à l'école, et les professeurs qui ont dit soit les garés, soit les crétins, les crétins qui ont utilisé des mots comme ça. Il y a toute capacité intellectuelle là, donc il y a toute fonction là, il est capable d'apprendre. Il faut me dire que la majorité de ces gens capables d'apprendre, ils apprennent, ils sont capables de finir l'école, mais il faut rejoindre un encadrement des spécialistes qui peuvent utiliser des outils, qui peuvent utiliser des stratégies qui peuvent permettre que ces gens apprennent correctement. Mais si nous ne connaissons pas, il y a attribué à l'autre bagage, c'est justement peut-être ça. Il y a fait journée 2 avril pour sensibiliser les gens, pour mieux connaître. Parce que l'autre, par contre, non bagage ou par contre, ou sans se dépourvu ou par contre, ça vous fait. Mais l'autre a information, hein, donc vous comprenez allié, donc vous pouvez plus aider les gens dans le développement, et plus vous aider les gens dans le développement, plus les gens dans le meilleur avenir dans la société. Alors, madame Hippolyte, vous avez peut-être une expérience par lui, et mon petit monde, vous avez un problème ça? Un petit garçon qui gagne 3 ans et demi qu'on y a. Et alors Jean et Pascal t'expliquaient là et jusqu'à un an et petit moi t'es normalement et fait toute étape de développement lio de manière et correcte et jusqu'à ce que il était même commencé à parler dit maman papa etc jusqu'à ce que ça vienne arriver et mon 15e mois que moi viens remarquer que li ont petit Jean et plus renfermé sous lui-même et ou pas attendre comme si qu'il y a échangé avec monde ou quand il était un petit genre et plutôt vague et c'est à ce moment-là que moi-même j'étais venu prendre décision mettre l'école parce que je me dis bon peut-être que si là avec l'autre petit monde ça capable stimuler langage li etc. Maintenant et après 3 mois moi pas vraiment ouais changement donc c'est à ce moment-là que moi viens décider commencer web psychologue pour me capable comprendre exactement pour qui ça t'est venu des régression parce que son régression que moi-même j'étais remarqué de côté pas. Et en effet, moi j'étais venu rencontrer et docteur Pascal Fanini Lemoine qui t'a fait une évaluation pour lui et puis bon, étant donné qu'il était jeune parce qu'il avait à peine peut-être un an et demi comme ça, il était diagnostiqué provisoirement et que il était dans spectre autisme. Maintenant bon, et pour le moment, c'est ça que nous-mêmes avons essayé de faire là. Nous avons une plateforme pour les parents qui ne connaissent pas qui ça pour faire leur commencer à remarquer ce genre de caractéristiques. Après, qui ça qui ça fait? So, étant donné que je n'ai pas de ressources, je n'ai pas de sûr de qui ça que je suis capable de faire, j'ai décidé de quitter le pays. Là. Ok, moi viens voyager avec lui et nous passer un an côté nous rejoindre des services intensifs l'autre bord aux États-Unis. Oui, on a eu des services intensifs. Il y a eu en pile thérapie et en pile thérapie du langage, thérapie du comportement, thérapie et sensorielle parce que lui t'es gagné en hypersensibilité à une série de bagages des tissus, l'omaniel, de l'eau, etc. Et en même temps tout moi t'ai joué une thérapie pour tête pam tout thérapie pour moi et yo t'ai ban moi et formation tout pour que moi même moi t'ai capable continuer thérapie yo la caille moi avec lui pour lui même il pas seulement associer thérapie à un visage parce que tout monde ça en général et yo plus yo remet routine. OK, c'est des petits monde qui plus fonctionner avec routine. Donc une fois qu'on retire petit monde dans routine ni, li ont ti gens débalancé. Donc leur comme ça, c'est que doit moi-même ou bien l'autre famille qui doit continuer thérapie avec lui. Et mis à part thérapie et du langage etc., nous devinons ça a relé et alimentation le tout parce que en général petit monde ça yo petit monde qui dans le spectre de l'autisme il a toujours remarqué que l'heure où faire une diète spéciale pour petit monde ça yo li porter quelques changements. L'homme parler de diète spéciale par exemple ou retirer gluten et gluten c'est le blé c'est ça exactement le blé. Et bien le lait animal que l'il pas prend etc. Enfin dans un paquet étape dans diète alimentaire là que nous t'ai fait avec petit moyen et moi t'ai remarqué de extraordinaire progrès.
Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, quand j'ai laissé le pays, petit, moi, pas vraiment parlé, ok? Et peut-être des mots, mais pas de parler. Maintenant, et Mkounia là, il a communiqué. Il fait phrase. Exactement, il fait phrase de au moins six mots, ok? Et ça qui est plus intéressant avec Timon Sayole ou travaille avec Yole ou bien on plan qui continue, c'est que Timon n'a pas pour le bon surprise quand même. Par exemple, moi éternué, petit moi dit et blessure mamie. C'est pas ça pas rentré dans thérapie du langage à du tout parce que en général nous fait thérapie du langage nous plus bay ti moun nan des termes et côté que li capable socialiser rapidement des expressions qui plus courantes, OK? Par exemple, je veux du lait ou bien j'ai faim, j'ai sommeil, j'ai mal, des bagages pour que ti moun nan capable plus ou moins communiquer des besoins ou bien plus facile communiquer avec entourage rapidement. OK, donc si mon a boire des surprises et mais c'est surtout alors mise en porte thérapie me devait dire tout que leur on parent remarque que petit li dans spectre de l'autisme là le plus important vraiment c'est l'encadrement et la patience parce que leur ou est que ti mon différent c'est pas courir dire que ti mon est mal élevé ou bien que ou même ou impatienté ou par rapport à ti mon a besoin que ou même ou comprendre ni pour que lui-même soit capable comme si partager avec comme si bulbe Paul parce que lui-même il a un bulbe, OK, donc faut ou même ou capable rentrer dans vie ti moun nan gens que lui vivent et entourage lui pour que ti moun lui-même soit capable venir rejoindre. Mais ça moi je connais est-ce que un ti moun qui dans spectre de l'autisme est capable guérir définitivement? Nous ne pouvons pas parler de guérison parce que comme tu dis dans ta lettre, c'est pas une maladie. Donc pour capable guérir, c'est si c'est ton maladie, c'est pas une maladie, c'est plus une condition neurologique. Mais nous avons dit que si nous avons sorti dans la condition, c'est-à-dire que si nous avons capable définitivement. Oui. Oui, nous avons sorti définitivement de la condition, c'est-à-dire que nous capable totalement adapter la norme sociale parce que c'est on surtout cet aspect norme sociale, c'est-à-dire que même dans social par exemple si on parle d'un type qui trouve l'aspect elle mène dans l'église il est capable d'avoir plus de difficultés parce que dans l'église là pas si mon ami même normalement lorsqu'on a socialisé type non après ni dans l'église faut chita faut silence il pas doit le toucher pas grave c'était mais type là qui l'aspect elle capable d'avoir difficulté pour intégrer norme ça là fini pas intégrer mais ça va demander Jean Muriel Fell d'un accompagnement. Donc, il est capable de gagner des difficultés pour intégrer. Mais une fois que je suis en accompagnement, donc gagner un pile petit bon qui est capable totalement sortir de conditions neurologiques. Cependant, il y a qui est capable de faire énormément de progrès, qui toujours gagne des problèmes à niveau de cette adaptation sociale, mais qui est capable de faire des progrès, qui est capable de fonctionner, qui est capable d'intégrer la société. Parce que ce qui est important, c'est inclusion. Inclusion, ça veut dire que leur timon est différent. Parce que là, on parle de timon, mais nous autres, dans l'expérience, nous travaillons avec adolescents, nous travaillons avec adultes. Donc, leur personne, monde qui a l'aspect de l'autisme, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas la différence. Ils ne pas adapter l'environnement pour la différence. Donc, on s'est trouvé dans une situation d'exclusion. Ils sont stigmatisés. Ils sont stigmatisés. Donc, ils ne pas accepté. Donc, ça, ça sont violences liées. Ça sont violences liées sur les gens, sur les grands gens. Parce qu'ils ne peuvent pas intégrer la société parce que la société n'est pas vraiment adaptée, pas vraiment professionnelle, pas vraiment développer des stratégies pour capable apprendre. L'environnement de travail, il n'est pas vraiment adapté à l'environnement de travail pour capable apprendre, etc. Mais donc, il est important pour nous comprendre que si les gens qui trouvent l'aspect, au fur et à mesure qu'ils grandissent avec cet accompagnement, ils sont sortis complètement dans l'aspect, qui sont capables. Gain des rituels, par exemple, rituels avant d'aller, pour capable gain des rituels, des gestes que le fait, pour capable gérer stress, pour capable des petits rituels créés, des aspects, des petits stress, des stress, c'est bien des petits rituels, capable gain qui évolue, qui commence par l'état, qui arrive par les quand même, capable gain qui parle parler verbalement, mais qui arrive communiquer à travers des pictogrammes, c'est des images. Coucou Jean-Michel Dian, s'il y a besoin, il est capable de dire qu'il y a besoin. S'ils vont dans le côté de la toilette garçon, il est signe toilette garçon, il est capable de repérer. Il est capable, même de pas développer le langage verbal, s'il y a leur capacité du genre visuel, parce que il y a des capacités, même les gens sensuels capables
et développé. Hyper sensible, mais même genre, ça, ça a tout cas très développé. C'est-à-dire que si vous pas développé l'aspect verbal, là, il communique, et puis l'aspect visuel qui est extrêmement développé, donc il est capable de gros pain. C'est-à-dire qu'il est capable de faire portrait. C'est-à-dire que c'est important pour, tout, pour nous trouver capacité, une force. Maintenant, là, Muriel Dab dit que c'est l'objet à l'États-Unis, maintenant en Haïti, qui accompagnement qui est disponible pour parents qui ont un petit clic à souffrir avec problème ça. Très bien. Donc, ça va faire quelques temps, nous avons dit 2 semaines, que Muriel, avec d'autres parents, d'autres professionnels, nous avons envie, nous avons commencé à semer, à mettre des graines pour être capable de faire pousser une plateforme qui est plus devant capable de développer une organisation pour que tout le monde soit capable de plus s'imaginer. Mais pour qu'on y a là, ça gagne, c'est gagne des professionnels qui, en général, professionnels, ils ont dit, contrairement à l'autre pays où tous les jeunes professionnels séparés, mais l'autre pays où capable des institutions, comme l'hôpital, centre, qui vraiment regroupé tous les professionnels. Mais en Haïti, il y a plus de professionnels qui travaillent de manière séparée, mais gagne, ça veut dire gagne orthophoniste, pas grand pile orthophoniste, et gagne toi, pas grand pile psychologue spécialisé, mais de jour en jour, par exemple, même dans l'enseignement, dans mon professeur à l'université, donc moi, grand pile jeune étudiant qui commence à faire mémoire sur autisme, donc comment c'est mon intérêt pour. C'est parce que vous-même qui capte dans le domaine ça, ou grand pile, je dis, un pile parent qui a un petit mounio, qui a un problème ça, je dis. Oui, c'est que je suis dire, nous avons commencé à travailler de manière séparée, mais même avec associé moi et Pascal, dirais-le Pascal tout. Nous avons commencé, là nous mettons ensemble et nous venons faire une institution. À partir de ça, nous avons commencé à faire un peu de sensibilisation. Et là, en l'espace de 2 ans, nous recevoir pour petit sentiment. D'accord? Mais nous n'avons pas de gros moyens parce que nous n'avons pas d'organisation, mais c'est pour nous dire que si nous avons une campagne que nous fait là, nous avons saisi un petit monde qui trouve un aspect. Là. Bien entendu, nous n'avons pas dit que nous avons un aspect autiste. Nous sommes capables d'attribuer que nous avons un Haïti, nous avons un aspect culturel. Nous avons dit que nous avons un café. Parce que j'ai mieux dit que nous avons bien comment c'est bienvenu. Nous avons commencé à parler, comment c'est fait. Quand on a dit tout ça, on est supposé faire. Donc, si on est là, il faut tirer des questions. On a dit, ah, c'est parce que je suis mené à un tel, ou bien c'est parce que un tel qui est venu à la famille, on va qu'on souhaite. Donc, il y a l'aspect culturel qui fait que son blocage, on est capable de lier, qui fait que il y a un pile, mais les gens ne sont pas informés, et les pédiatres ne sont pas informés. Tout, il y a un pile de pédiatres, il y a informé, il y a un pile qui est informé, il y a un pile qui n'est pas informé, tout. Professeur n'est pas informé, ce qui fait que le problème là, donc, plus vous faites campagne, comme vous-même qui avez une opportunité pour nous là, je dis, hein, plus vous avez des gens qui ont une possibilité pour nous parler de ça, plus vous avez des gens qui connaissent, plus vous avez un accompagnement, et plus vous avez des gens qui intéressés à apprendre ça. Parce que je dis là, si vous avez des collègues qui connaissent aux États-Unis, au Canada, en France, ils ne peuvent pas retourner dans le pays, hein, tout, parce que ils ne peuvent pas vraiment avoir une opportunité pour retourner dans le pays, hein, parce que ils ne peuvent pas vraiment avoir le travail, ça va pas le faire, est-ce que vous avez venu. Parce que justement, pas gagné, on. Peut-être que quand tu dis tout ce traitement, tellement coûté cher tout ça, et je pense que actuellement, là, le coûté cher. Mais plus il y a sensibilisation, plus il y a plus de monde qui est informé, plus il y a plus de professionnels, plus il y a des organisations qui montent. Je pense que priant, plus l'État doit impliquer le tout. Parce que dans tout pays, l'État a toujours impliqué dans le genre d'accompagnement. Ça, parce que c'est des accompagnements qui sont capables sur le long terme. Même de sur le long terme, ça veut dire que c'est bon, bah, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mm-hmm. qui est capable de durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, selon. Parfait. Muriel, au niveau par où, qui sont quoi, ou capable de porter en termes de contribution pour aider, et même j'ai un petit doigt dans la difficulté, ça, de l'autre parent, qui peut-être pas les moyens, et qui est dans le spectre de l'autisme, et puis une fois, par contre, ça a pu le faire. Ok. Bon, comme. Dernière intervention m'a été arrivée pendant que j'étais l'autre bord avec petit moyen, mais moi t'ai remis et spécifié que moi t'ai décidé de retourner pour la simple et bonne raison que la famille est très importante. J'ai décidé de retourner parce que c'est là moi vivre, c'est là m'a fonctionner professionnellement, c'est là et famille petit moyen, donc nous t'ai décidé de retourner en Haïti et nous t'ai joindre. Nous avons fini par joindre les ressources que nous avons besoin qui pour nous accompagner. Donc là, qu'on y a qui ça que nous capable offrir et c'est sur ça que nous travaillons. Nous avons un comité qui gagne des parents, des professionnels, des monde qui très imbu de sujet
qui travaille avec nous pour que nous offrions une plateforme de sensibilisation d'abord, d'éducation, et puis après ça, d'orientation. Parce que grand pile monde qui peut-être gagne et problème non, ou bien qui commence à remarquer des ici, mais qui peut vraiment connaître vers qui est-ce que aller. Donc, nous avons commencé d'abord par ça. Nous avons l'autre et entité tout qui approche nous, qui déjà dit nous que accompagné nous dans une série de projets tels que support pour parents, support psychologique, parce que c'est pas un bail qui facile pour un parent pour lui faire face à ça. Parce que pour plusieurs raisons, premièrement, il pas comprendre ça qui a privé tout le monde. C'est la première chose, c'est ou pas comprendre ça qui a privé, donc ou pas comprendre qui ça pour faire. Donc et nous gagnons des projets comme ça, nous gagnons des projets tout pour que nous accompagner certains et monde qui déjà dans le monde d'éducation pour être capable un petit gens mieux édifié sur et sujet là pour capable accompagner Timonio et pour le moment et n'a gardé tout comme nous t'a capable faire une sorte de programme et de recensement et de screening si nous capable dit et évaluation. OK, et nous pas veut plus d'informations parce que nous beaucoup fin sûr de comment que li pral finaliser, mais nous déjà gagné des professionnels qui déjà dit nous que yo disposé pour que yo offri un don des évaluations pour que au moins nous commencer faire un travail qui et a touché population grande population et monde qui pas gagne moyen. Du côté yo capable venir nous et si gagne monde qui regarder, qui attendre, qui intéressé et pour ta, non seulement aider nous pour te couler nous mais tout qui gagne timounio qui a souffri qui dans le spectre de l'autisme je nous souligne là. Nous gagne un numéro de téléphone qui c'est le 29 48 48 48. Et vous êtes capable de relayer ce numéro ça. 948-48-48. Très facile. Exact. Mm. Et nous avons l'autre moyen de communication que nous avons mis en place. Et si vous permettez, nous sommes capables, la prochaine fois, de communiquer et de faire un message et placer ce message là. Mais vous êtes capable de relayer ce numéro ça. Déjà, vous êtes capable de joindre les informations que vous avez besoin. Si en cas où vous avez remarqué que petit vous avez présenter des signes comme ça ou bien si vous avez besoin de plus d'informations sur gestion et autisme. Vous avez fini, docteur Pascal, parce que l'arrivée, pour vos parents qui ont regardé, qui ont remarqué Timounio parler, continuer à avancer et progresser, qui sont capables de faire, peut-être son conseil à distance, même si vous avez venu nous après. Donc, conseil nous capables de faire, c'est bien important pour que les parents suivent l'évolution de Timounio. C'est-à-dire que c'est important pour suivre chaque étape qui a évolué pour le suivre, pour le noter, si le capable d'écrire, mais pour le garder, pour tout vraiment accompagner dans le développement. Et depuis le moment qu'il y a un changement, si tu n'as pas fait encore, depuis le moment qu'il y a des comportements que il pas à comprendre, depuis le moment qu'il est dépassé par la situation, il pas à gérer la situation de colère, donc tout genre de caractéristiques, il est important pour le relayer ou bien pour le voir un spécialiste, si il y a un spécialiste que le connaît, parce que plus on intervient, plus bonheur, plus si on a une meilleure probabilité pour le développer, pour l'intégrer, adapter dans l'environnement, puis l'évoluer, puis bien. Est-ce que par contre, l'âge, vous avez dit son cas perdu? Non, pas un âge qui a perdu, parce que nous, par exemple, dans l'expérience, nous, plus grand si nous gagnons, plus grand adolescent, adulte, pardon, plus grand adulte, nous gagnons, il gagne 36 ans. 36 ans? Oui. Et nous, pas. Qui voulait venir lire? Bon, ça a été à 36 ans, donc quand il y a là, nous avons surtout travaillé avec l'autonomie. Hein. Autonomie, on veut dire, pour être capable de cuisiner, comme si faire manger, pour être capable de marcher. Est-ce qu'il y a l'école? Il est à l'école, malheureusement, 36 ans, ça fait beaucoup même fait. Beaucoup même fait, ça fait quand même longtemps. Mais il est à l'école, mais il est déjà en accompagnement, mais il y a un accompagnement tout, l'époque là, qui n'est pas vraiment gagné. Que je dis à nous gain plus d'accompagnement qu'il y a de 36 ans de ça. Donc, faut nous dire que le pays a quand même progressé quelque part. Pas beaucoup, mais il a progressé quand même. Donc, maintenant, ça a fait avec lui, c'est capable. Il parle de tout bas, il fait tout bas, mais c'est capacité autonomie. Il a développé l'autonomie pour être capable de fonctionner, aller à la maquette, manger, fonctionner dans la société. C'est-à-dire que pas un cas perdu. Il n'a pas un retard de langage. Non, il n'a pas un retard de langage. C'est-à-dire que peu importe l'âge, peu importe le niveau de développement, il faut parler toujours. Ouais que Timoun Sal est capable d'avoir une meilleure qualité de vie. Même une meilleure qualité de vie, c'est que c'est toujours elle capable de vivre plus bien que je la vis. Hein. Parce que maman n'est pas toujours là, papa n'est pas toujours là. Donc il faut toujours avoir la possibilité pour capable vivre plus bien, pour capable autonome, développer autonomie, pour capable fonctionner dans la société. C'est peut-être ça me parle de inclusion. Donc pour me finir, autisme par une maladie, il faut nous inclure. C'est-à-dire que toute société, hein,
créer des stratégies, apprendre qu'on est salarié, puis capable de développer des stratégies, puis capable d'inclure. Et puis pour parler, il faut veiller à l'évolution de nous, pour que depuis qu'on a artiste ensemble, on puisse capable faire appel à nous, ou bien à l'autre spécialiste que vous connaissez dans le monde. Je vous êtes tout bien avec l'école, vous avez l'éducation nationale, vous avez fait une bonne contribution. Quoi bon travail qu'a fait sur la question la petite enfance, ça t'a aidé déjà pour que le professeur vous indique pour que le team nous présente tout ça. Je ne vais pas dire parce que le team est garé, parce qu'il est crétin, parce qu'il va bon, qui fait que pile le team, n'est-ce pas, qu'a bloqué. Justement. Il n'est pas arrivé à faire ça, il a dû faire. Et là, ça n'est pas arrivé pour le payer les conséquences. Oui. Le 29-48 48-48. 48-48. Tout le monde parle Facebook et comme vous avec les réseaux sociaux qui sont très en vogue. Bientôt. Parce que, quand dit que le mouvement, ça, c'est un mouvement qui commence. Alors, nous avons déjà un groupe de parents. Et, mais vraiment, nous décidons d'engager nous de manière et ouverte. Et quand dit peut-être une semaine avant le 2 avril. Et nous travaillons sur plusieurs bagages pour le moment. Enfin. Et bientôt, nous espérons être capables de retourner sur le plateau pour nous capables partager plus d'informations concrètes avec très nous. Très certainement. Et puis, si vous avez besoin de Dr. Pascal, vous pouvez vous nous. Bon, mais là, tous venons dans le cadre de la plateforme. Ok. D'accord. Mais si vous avez besoin de tout, vous pouvez toujours aller dans le cadre 7-85-51-24. Parfait. Voilà, merci infiniment et je vous souhaite de nous retourner et très bientôt. Pour laisser on a bien tout le détail sur la plateforme là, et accompagnement à bail. Pour qu'il s'attoure, nous allons bien voir. Et puisque j'ai un dame dit à l'heure traitement, ça a coûté cher. Oui. Et t'as qu'à aider les parents de petites boussiots. Oui. N'est-ce pas, jeune moi? Et moi, dans le pays, côté, il y a des organisations qui subventionnent l'éducation. Simon Saïd. Exact. Ça pour vous ne pas faire le tour en Haïti. C'est ça nous souhaitons tout pour le pays et que nous ayons des programmes tels que Early Intervention, pour que nous prenions Simon vraiment en bas âge et nous accompagnions jusqu'à ce qu'il y aille dans l'école préscolaire. C'est ça, mon camarade qui est aux États-Unis et lui même Simon parle là, malheureusement, le fait, il a dit c'est vous à dead net, pas que c'est vous du tout, mais là, l'école chaque jour, hein. Bon ensemble d'organisation qui d'accord faut tout le monde soit à l'école bon, oui parce que dans tout pays éducation universelle et gratuite pour tout ça. Il faut tout le monde gagne accès à l'éducation que le différent ou pas et malheureusement dans le pays nous et c'est pas pour s'allier mais normalement et un petit monde qui est différent d'un supposé gagne accès à l'éducation même à tout le monde oui justement et en éducation de qualité qui répond à besoin c'est pas l'éducation parce que nous faisons des expériences de côté gain côté qui gagne qu'un petit monde regarde c'est business il y a qu'un petit monde mais au conseil que il y a pas qu'à faire rien à tout le monde donc demander tout le monde qui travaille à tout le monde plus honnête tout puis ouais que si il y a pas des méthodes ou bien pas une stratégie appropriée il est capable de les mieux qui peut être capable d'orienter vers des structures qui puis appropriées pour tout le monde parce que mettez tout le monde dans l'école côté il pas utiliser vos stratégies mettez le en coin par à payer quoi à fonds investissement qui pas vraiment rentable. Comme si tu pas vraiment dit, bon, rentable. Oui, oui bah, les résultats que tu as espéré. Et c'est ça, et ça, c'est pas quoi le faire. Et puis, il y a tout qui a perdu tout, parce que quand même, tout le monde s'est d'accord pour tes contributions. Voilà, merci un peu, Dr. Pascal, merci Muriel, et succès et longue vie à la plateforme. Merci beaucoup, on espère retourner bientôt. Et merci, téléspectateurs. 29-48-48-48, relais, si nous avons des doutes, nous avons besoin des réponses, nous là pour ça. Voilà, c'est là la campagne avec mise au point pour aujourd'hui. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous, soutenu avec nous en direct. Je souhaite vous passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À très bientôt. Merci.